chers amis, et merci d'être venus, tous si nombreux ce soir, pour découvrir la nouvelle exposition que nous vous présentons ce soir. Cette exposition n'est pas la seule, il y a quelque chose qui va accompagner en objet que j'espère vous apprécierez, et je vous le présenterai après les quelques mots que voudra bien nous prononcer et nous dire Monsieur Boucher, président de la CEJE et président du Conseil provincial du Brabant. Merci beaucoup. Eh bien, je dois tout d'abord excuser notre bourgmestre, Monsieur Louis Michel, qui aurait bien voulu être des nôtres, mais qui malheureusement est retenu à cause de la campagne électorale pour les européennes. Mais je suis très heureux d'être ici. Tout d'abord, j'ai une double casquette en tant que représentant du collège et également en tant que représentant de la CEJE. Et je tiens à féliciter Monsieur de Meester pour cette magnifique exposition qui retourne vraiment dans le passé et de la CEJE et de Jordogne et de la régie d'électricité. Comme il vous l'a dit, il a écrit un magnifique livre que j'ai déjà lu en primeur et dont il vous le parlera tantôt. Je tiens à l'en féliciter. Monsieur de Meester est vraiment l'âme du quartier sud, quartier dynamique s'il en est. Et puisque j'en ai l'occasion et qu'on parle de Monsieur Gérardin, je signale pour ceux qui ne le savent pas que la commune a décidé d'installer ici, dans l'ancienne maison de Monsieur Gérardin, un musée, comme c'était sa volonté d'ailleurs, un musée où j'espère que nous pourrons retrouver cette exposition ou une partie de cette exposition régulièrement, si pas de façon permanente. Alors, vous avez pu voir parmi tous les objets qui se trouvaient ici des dessins de lanternes antiques, de candélabres. Je vous signale que la ville de Jordogne a décidé il y a quelques jours d'installer sur la Grand Place des lampadaires anciens. On en a dû jeter avant la guerre, c'est malheureux, parce qu'en fait nous allons remettre le même modèle qui existait avant. Il y a encore des firmes qui les recoulent actuellement, mais je crois que ce sera d'un bel effet puisqu'il est prévu l'illumination de la Grand Place. Et bien voilà, pour ma part, je suis vraiment, vraiment ravi de cette exposition. Je crois que ça fera plaisir à toutes les personnes ici présentes, aux anciens Jordanois, au personnel de la CEJE et à d'autres personnes. Je vois ici M. Destré, dont le père a été le second président de l'intercommunal. Je crois vraiment, M. de Meester, que vous avez fait une magnifique exposition. Et encore une fois, je vous félicite au nom de la ville. Il y a 2 ans, nous nous sommes retrouvés dans cette même salle pour découvrir une petite exposition qui retraçait tous les souvenirs des habitants du quartier sud. Je ne vais pas dire tous parce que là j'exagérerai, mais une partie des souvenirs de tous nos habitants ici du quartier sud et de Jordogne bien entendu. Il y a 2 ans également, j'avais dit quelques mots à mes invités, je leur avais dit, je crois que dans 2 ans, le prochain livre, la prochaine exposition, ce sera Paul Gérardin. Pourquoi Paul Gérardin? Pourquoi avoir choisi Paul Gérardin? Eh bien voilà, il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, quelques jours de plus que 100 années, naissait ici à Jordogne, Paul Gérardin, à quelques centaines de mètres d'ici, sur la chaussée de Charleroi, dans la maison natale de Paul Gérardin, dans laquelle nous allons bien entendu avoir notre musée, Paul Gérardin naissait. Alors, une habitude au quartier sud, c'est de fêter les centenaires. Rarement, on en a l'occasion. Mais quand on l'a, on en profite. On voulait fêter Paul Gérardin, il est disparu trop tôt. Alors on a dit, voilà, moi j'ai cru bien faire en disant nous ferons autre chose que le fêter, on le fêtera à titre posthume et j'ai rédigé un petit ouvrage au sujet de sa vie. Bon, la vie d'un homme aussi régulière que celle de Paul de Gérardin n'a pas permis de remplir 100 pages. Alors j'ai voulu associer à la vie de Paul Gérardin son œuvre, l'intercommunale, et en même temps l'histoire de l'électricité à Jordogne et l'éclairage. Alors, vous allez découvrir ce livre que je vais vous présenter, mais j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, à la fois dans l'exposition et à la fois pour ce livre, notamment M. Notaire d'Estrel, M. Boucher, le personnel de la CEJE, dont M. Organ, le directeur, bien entendu l'administration communale, et les membres du quartier sud et de ma famille qui m'ont épaulé de tous côtés. Je n'oublierai pas non plus mes collègues qui m'ont supporté pendant ces quelques semaines, qui ont été assez nerveuses, quoiqu'aujourd'hui la course contre la montre s'est terminée, je crois, à bon port. Alors je vais vous présenter ce livre. Voilà donc la nouvelle parution du quartier sud. La couverture est d'une collègue de Jean Blou, elle s'appelle Michèle Malagoli. Elle a donc peint Paul Gérardin.
La première difficulté que j'ai rencontrée pour parler de Paul Girardin, c'est de trouver sa photo. Parce que notre ami Paul Girardin n'a jamais aimé se faire photographier. La CEJE n'a jamais pu faire de photos lors des réunions ou des galas. Parce que Paul Girardin n'aimait pas les photos. Alors par hasard, j'ai découvert dans un tas de vieilles revues son permis de conduire, que vous trouvez dans une vitrine. Et là-dessus, il y avait sa photo. La seule photo de Paul Girardin qu'on ait pu retrouver. À partir de là, voilà l'œuvre qui a été tirée par le peintre. Vous allez découvrir dans ce livre l'histoire de l'électricité, la vie de Paul Girardin en premier chapitre, et ensuite quelques mots au sujet de l'histoire de l'intercommunal et de son avenir. Alors je vous invite, ceux que ça intéresse, à passer à la table, et nous allons d'abord... Je crois que c'est la première chose à faire, je crois que j'allais l'oublier, c'est ouvrir l'exposition, puisque ça n'a pas encore été fait, et nous présenterons ensuite le livre au public qui pourra venir l'acheter ici à la table. Voilà, merci. Je vais demander à monsieur... Je ne vois plus mes deux petits amis, j'espère qu'ils sont prêts avec le ruban inaugural. Les voilà. Boucher. Voilà, l'exposition est ouverte au public. Je vous invite donc à rejoindre la table si ça vous intéresse et à découvrir le dernier livre, Paul Girardin. Nous prendrons ensuite le verre de l'amitié offert par le quartier sous. Inaugurer l'éclairage électrique de la ville de Jodogne. Jodogne était donc une des toutes premières communes à s'équiper de ce type d'éclairage, puisque des villes comme Namur ou Ostend ont donné à tous ces petits villages le moyen d'investir et surtout de gérer les réseaux. C'est alors que notre jeune ingénieur inventa un nouveau concept qui allait trouver intérieurement un cadre juridique et légal et connaître un essor sans précédent, c'est-à-dire la société intercommunale. Une société intercommunale, c'est une association de plusieurs communes pour l'exploitation en commun d'un objet social. Paul Girardin prit donc son bâton pèlerin et alla de commune en commune, expliquer, discuter, convaincre et négocier les statuts de son projet pour arriver au 13 mai 1918 à la création de la CIEJE, la compagnie intercommunale d'électricité de Jodogne et Extension, qui regroupait à l'époque 33 communes. Une fois de plus, Jodogne montrait l'exemple et la CEJE devenait la première intercommunale de Belgique. Elle serait ensuite imitée dans tout le pays, et ce n'est qu'en 1922 que le législateur consacra cette forme d'association par une loi qui est d'ailleurs toujours en vigueur. Paul Girardin allait diriger cette compagnie sans interruption jusqu'à l'âge de 75 ans.
Il lui consacra, ainsi qu'à sa ville, toute son énergie, tout son temps, en un mot, toute sa vie. Notre concitoyen nous quitta le 27 mai 1984 à l'âge de 95 ans et légua à la ville de Jordogne sa fortune. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de lui rendre hommage lors de l'inauguration du musée Gérardin, où très certainement l'histoire de l'électricité tiendra une place importante. Après l'évocation de cette page d'histoire, qui me fait d'ailleurs penser à la citation de M. Robert de Mestel dans le livre qu'il a consacré à la ville de Paul Gérardin, on ne dit pas l'électricité à Jordogne, mais bien Jordogne électricité. Enfin, revenons au présent. Notre ville dispose d'un patrimoine architectural très riche, consacré au plan de secteur par l'existence d'un périmètre protégé, c'est-à-dire le centre historique de la cité, dont la grande place est le joyau. Notre bourgmestre, avec d'ailleurs tout le collège, a soumis l'été dernier au conseil communal la décision de doter la grande place d'un éclairage d'ambiance, la mettant en valeur au moyen de candélabres anciens en fonte. Cette réalisation se situe au sein d'un projet de rénovation beaucoup plus vaste du centre-ville et en constitue le premier maillon. Je laisserai à mon collègue et chemin de travaux, M. Armand Duel, le soin de vous en parler. Pour ma part, je voudrais remercier le public de sa présence et de l'intérêt qu'il porte à sa cité. J'espère et je souhaite que les réverbères apporteront à notre cher grand place un cachet nouveau, fait de beauté et d'harmonie, avec peut-être pour certains des points de nostalgie du temps passé. Et je ne doute pas aussi qu'ils s'inspireront dans artistes comme d'autres, qu'ils soient peintres ou poètes. Avant de terminer, je voudrais également remercier le personnel de la CIEJE et le bureau d'études d'Intercom pour la diligence apportée à la réalisation de ce projet. Je vous remercie. Monsieur le député Bourgmestre, monsieur le directeur de l'Intercom, chers collègues, madame, mesdemoiselles, messieurs. C'est toujours un agréable plaisir de prendre la parole lors d'une telle manifestation. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est pour l'inauguration, dans quelques instants, par notre député Bourgmestre Michel, du nouvel éclairage d'ambiance de la Grand Place et de l'exposition de la régie d'électricité. Vous avez certainement appris que depuis plus d'un an déjà, le collège de Bourgmestre et Échevin a proposé à ses conseillers et à la population une rénovation et amélioration de la grande du centre urbain de Jordogne. À ce jour, nous pouvons oser dire que, sauf imprévu de dernière minute, les travaux routiers pourraient débuter au printemps prochain. Pour ce qui est de la Grand Place, le collège des bourgmestres d'État actuel a en effet voulu donner une vie nouvelle à un des endroits les plus pittoresques de Jordogne. Son choix s'est porté sur des lampadaires en fonte résolument belle époque. Il fallait en effet trouver un style luminaire qui s'harmonise parfaitement avec le cadre typique de la Grand Place. À cet égard, nous pouvons remercier et féliciter tous ceux et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Je pense tout particulièrement aux membres du Conseil communal, à la région wallonne, à la province, au service de l'urbanisme, aux auteurs de projets, au conseil d'administration de la CIEJE et son personnel pour le travail qu'ils ont réalisé. Au personnel communal pour le parachèvement. Tout ceci n'aurait été possible au bon état des finances communales de Jordogne. Tout ce travail qui a été exécuté constitue un merveilleux ensemble caractéristique de l'architecture de la région jordanoise. La blancheur distinguée de la pierre de Gobertange y prédomine. L'éclairage savamment distillé par les lampadaires nous permettront d'admirer encore cette belle façade la nuit. Cette lumière dotera la grande place d'éclat nouveau, voire insoupçonnable. Aviez-vous imaginé la majesté qui prendrait cette maison sous le pied de la lumière?
aviez-vous pensé que le jeu d'ombre et de clarté entraînerait une magie incroyable? Elle mit le suspect, insoupçonnable, vont naître puis s'épanouir sous vos yeux. Les illusions selon les gens et le monde des chimères sera omniprésent, peut-être entendrez-vous. Ricaner, la sorcière Gadal, dont l'antre se trouvait à deux pas d'ici. La grande place teinte de lumière, dans la nuit, sera plus qu'auparavant un lieu où ils feront bon flâner et laisser libre cours à son imagination. Un jour, sûrement, les artistes viendront y puiser inlassablement leur inspiration. Ils chanteront les louanges de la lumière diffuse, du cœur plein de vie et de la bonne mine de jeunes. Car il pourra réaliser au charme, résister au charme qui entraîne. Toutes ces actions sont symbolisées par une expression qui fleurit déjà sur toutes les lèvres. Je donne à la nouvelle. Elle est la traduction de la vocation d'accueil, circulaire de notre ville. Tarée, je donne de ses plus beaux atouts, la rendre séductrice, va lui donner un nouvel attrait. Les visiteurs venant en voisin ou de plus loin n'hésiteront pas à s'arrêter pour nous dire bonjour et pour admirer ces richesses ancestrales judicieusement mises à valeur. Le plan d'embellissement de cette ville vous permettra bien entendu d'accroître ses rayonnements culturels. De plus, les apports nouveaux engendrés ne pourront que bénéficier des intérêts locaux, qui verra de nouvelles ressources, ce que nous souhaitons d'ailleurs. Voilà toutes les raisons pour lesquelles ce soir, je vous engage à contempler pour la première fois ce pied de lumière qui embellit la grande place. Gageons que les occasions qui vous ne vous manqueront pas d'admirer souvent ce spectacle enchanteur. J'espère que chaque fois que vous y passerez, des moments agréables sont et vous oubliez tous les soucis quotidiens. Merci beaucoup. Le bourgmestre, M. Louis Michel, à peu près 85 ans après le geste de son prédécesseur, en illuminant la place. Et pour ça, je dois lui demander d'accompagner notre chef de réseau, M. Delvoy, dans la cabinet.
te quitte, que bien te souviens. Le néo-val, ma sainte mère, en fin du dit, où Dieu prie de ses douleurs, se réveillant que les torrents de ton Dieu, on pourrait dire que c'est ton Dieu ton poêle. Les dieux que je donne aux vies et me raille, que les tiens dits de nos bons vivants douleurs, le plan suivant que lui comme en médaille, à vous gamins, tant pis que tu en du douleur. Rappelez-vous que des gamins d'automne qui ont donné de vie très marchandis, de l'humilité dans de nos âmes soignes. C'est grâce à celles que nos enfants chantent dans nos boudeurs et comme on pleut, ils seront tendres d'un grand cœur. On chante de loin, n'a jamais pas chitiesse. Ce hyperdit, est-ce bien failli ou pas non? Sont à ses ouilles, elle peut faire la recherche de l'héritage sacré de ce taillon. Voilà pourquoi il tient ce Wallonio, l'amour que là, le Seigneur jusqu'à toi. Et jusqu'au jour où ce peu le respire, il s'est réfié, d'ailleurs son cœur d'enlever. Sur mon travail, que son voyant mon titre en source, l'endormant du renard dans la vie, chaque jour. Le Joseph est manigande, je sens chavir les voici. Elle m'aime trop dans qu'on chante, en veillant trop tôt aussi. Quand elle approche une autogne, en tiendant le wagon des taux, auprès des ponts elle se soigne, elle fait toilette comme de faux. Elle roule, coule, coule, quand elle tourne au parade. Elle roule, 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 pour les lendemains bien pêcheurs. Elle chante, 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 chante les ponts de Templin. Elle contourne d'un jardinier, cette limon qui se brigna. Il n'est peu aucune porte, que pas un bon sel en ville. À vous de coûter que l'autre, nos pestes et lignes à gommer. À l'âge nos pestes en plie, on se peut te foutre au contraint. Elle est la vie de nos filles, que nos estimes sont gamins. Elle nous coule, 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 pendant ses belles chansons. Elle roule, 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 pendant bien son yavolon. Elle chante, 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 nos petites soutines. On m'a dit que c'est un jantoye, qu'elle brûle dans sa furie. Oh, pendant qu'elle suit ce brouille, elle n'a que grand oreille. C'est pour ça qu'on l'y avouille, le Saint-Jean pour grand bougie. Quand elle est au bouge gênante, on veut qu'elle ait du sportif. Il a faut croire qu'elle se blonde, en as que chante boulangerie. Elle coule, 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 on dira frère au mondial. Elle roule, 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 ce tourbain elle est fouillard. Elle chante, 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 on sait que c'est fois-ci. D'Hernandie et l'Andertoine. Mais le prince qu'on est venu.
caisses, et j'entends la vie assez, à un content les pleurs de Dionès, mais Dieu seul, en exception, Dieu ne revirait jamais Jourdain, d'un cure d'émotion et de chanson, que m'appelle les temps de verre au moment, Dieu s'en vigore, Dieu s'en vigore. J'avais pensé jusqu'à ce mec Joseph, et je me crois. Au bord des choses, un demi-gard est dur de l'autre, sans pourtant qu'il reste dans nos corps, on verrait la rire, le post-carcine, comme un bouton interdit. Les jeunes de judo, judo, est-ce force ta peur au vie? Que d'un lutin tombé sa côte, mais quand je prends des amoureux, sa voiture ne vient plus que pas. Nos promes même c'est bien curieux, si tu en as tant au point qu'il ne tombe pas, viens s'en vigore, viens s'en vigore. Reste au cou des amoureux, des rendez-vous et des pêcheurs que c'est. Et tiens tes corps, comme on est corps. Des îles de violon, des violons, qui pensent et rêvent ta vos pièces. Tant que je crée, je me sens viré. Je vais maintenant céder la parole à M. Michel afin qu'il procède à l'inauguration de l'exposition Saint Gérardin pour le Giron de l'Église en Amérique. Bien, mesdames, messieurs, je ne vais pas évidemment refaire ce discours, mais j'espère évidemment avant moi, je veux simplement, au nom de l'administration communale et je crois au nom de tous les citoyens de Jodogne, remercier tous ceux qui ont eu une part, quelle qu'elle fût, dans cette édification, cette illumination de la Grand Place. Je voudrais évidemment qu'on se souvienne de ce que Paul Gérardin a fait pour la ville, pas seulement par le passé, mais encore dans un passé tout récent. Et je voudrais plus particulièrement me tourner cette fois vers Robert de Maistre. Robert de Maistre qui, en historien compétent, et avec lui, a mis son savoir, sa compétence, mais surtout un immense amour du terroir au service de l'histoire locale. Je crois qu'il est important pour une communauté comme la communauté de Jodogne, il est important qu'on se souvienne, il est important aussi que l'on sache les choses du passé, parce que au travers des choses du passé, c'est souvent des valeurs du présent que l'on redécouvre et que l'on rallume, c'est le cas de dire. Dès lors, je veux, au nom de l'administration communale et au nom de vous tous, remercier Robert de Maistre pour l'œuvre de science et l'œuvre de savoir, la mise au service de la commune et pour l'éducation permanente qu'il a réalisée par son exposition. Je tiens vraiment à le remercier, je tiens surtout à dire à tous les Jodoinois que ceux qui veulent connaître la petite et la grande histoire de Jodogne, de son électricité, de Paul Gérardin et d'une certaine époque, eh bien qu'ils lisent le livre, parce que c'est vraiment un livre qui s'invite, qu'ils lisent le livre de Robert de Maistre. Je veux donc, en inaugurant cette exposition, lui dire toute notre reconnaissance et le remercier. Et monsieur Pourmès, de m'avoir prêté cette magnifique salle pour la petite exposition que vous découvrirez tout à l'heure. Mais avant d'entrer, je voudrais faire un petit cadeau à la ville de Jodogne et au musée Gérardin, c'est-à-dire que le quartier sud offre le portrait de Paul Gérardin que vous découvrirez en entrant dans l'exposition.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.